Chaque fois que je vois qu'il matraque quelqu'un, c'est comme s'il me matraquait moi. Parce que je peux ressentir ce que ces gens ressentent. Et ça fait mal au cœur. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut plus continuer. Je risque un anévrisme suite à ça ou alors un AVC. C'est grave. Je me sens soulagée parce que Lilian va mieux, physiquement il va mieux. Bon, il y a encore des visites médicales, chez le dentiste, chez le chirurgien. Donc il va plus au lycée, hein. Après l'ablation des broches, il est parti une semaine et après il ne veut plus du tout y aller parce qu'il n'a plus de motivation, hein, sachant qu'il va redoubler. Et l'année prochaine, il envisage de partir à l'internat parce que je pense qu'il veut partir de cette ville, du regard des gens et tout ça. Donc il vit un peu mal, quoi. Et bien moi je suis un peu fatiguée parce que voilà, il y a tout ça que j'ai eu à gérer un peu toute seule. Donc j'ai pas eu de soutien de la part de l'État, aucune reconnaissance. Donc j'ai l'impression que... Enfin donc, je le vis mal parce que c'est un peu comme si on avait un peu cherché ce qui nous arrive et pourtant on n'a rien demandé à personne, hein. Mon fils il n'a rien à voir avec tout ça. Donc je le vis un peu mal. Bon, j'ai hâte que l'enquête soit finie pour qu'il reconnaisse qu'effectivement son petit qui ont tort. Hein. Donc je suis dans l'attente. Thank you.